M Radio. M comme musique. C'est assez sarcastique et ironique, donc il y a des moments d'énorme joie de vivre et il y a des moments un peu plus down. C'est tout un paradoxe. Mes sources d'inspiration, ça a été ma vie, la société actuelle et beaucoup d'artistes que j'écoute comme Julia Michaels par exemple. Ça passe surtout parce que je vis. Je sais pas si j'ai voulu créer des montagnes russes vraiment dans l'album, mais en tout cas c'est ce que moi je ressens à travers les chansons, dans le sens où il y a des chansons qui sont très très ouvertes, très joyeuses, et des chansons qui sont très tristes, parfois même un peu dark. Et le fait de devenir maman, ça a tout changé dans ma vie, donc j'imagine que ça doit avoir un impact sur l'album, mais je sais pas exactement comment. Parce qu'il y a la première version qu'on a lancée pour le premier single et une version avec un texte un peu plus long. C'est dur de choisir un titre qui me rend vraiment fière. Bah, je suis fière de toutes les chansons. J'y avais vraiment, vraiment pas pensé, mais c'est vrai, 23 octobre, 23 ans, c'était vraiment un concours de circonstances. Et en général, je suis plus 6 ou 7. Dès que je peux, on est en train de parler justement avec mes producteurs pour voir quand est-ce qu'on peut ouvrir une billetterie et quand est-ce qu'on peut caler des dates, mais j'espère bientôt. Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. Merci. Merci. M Radio. M comme musique.